Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Je te salue par le glorieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. La paix soit avec toi. La paix soit dans ta famille. La paix soit dans tes entreprises. La paix dans ton foyer. La paix dans ton lieu de travail. Bien-aimé de Dieu, nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce de nous réveiller en bonne santé. Même si nous sommes réveillés avec des quelconques douleurs ou maladies, nous le bénissons également. Parce que la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous bénissons le Créateur du ciel et de la terre, celui qui nous a fait à son image et à sa ressemblance, celui qui renouvelle ses bontés et ses grâces dans nos vies chaque matin, celui qui nous a aimés plus que tout, celui qui était, qui est et qui vient, le Seigneur et Maître de nos vies. À lui seul nous devons gloire, louange, honneur, action de grâce, acclamation, ovation. Parce qu'il est tout pour nous. Si nous vivons, nous vivons pour lui. Si nous mourons également, nous mourons pour Jésus. Nous le bénissons de ce qu'en ce matin, il nous parle en ces termes. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas nos cœurs, mais écoutons la voix du Seigneur qui résonne et qui résonne encore. Ouvre-moi ton cœur, j'ai longtemps frappé, tu ne m'as pas ouvert. Ouvre-moi ton cœur, afin que j'y entre avec mon Père. Oui, ouvre-moi ton cœur, j'ai longtemps frappé, tu ne m'as pas ouvert. Ouvre-moi ton cœur, afin que j'y entre avec mon Père. Ouvre-moi ton cœur, j'ai longtemps frappé, tu ne m'as pas ouvert. Oui, ouvre-moi ton cœur, afin que j'y entre avec mon Père. C'est le désir de ton Seigneur Jésus. C'est le désir de ton Maître. Il désire entrer dans ton cœur. Il désire y faire sa demeure. Alors que tu entends sa voix, bien-aimé de Dieu, ne le renvoie pas à demain. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Laisse-le siéger. Laisse-le souper avec toi. Il déclare dans le livre de l'Apocalypse, « Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, j'entre, je demeure, je soupe avec lui. » Et si Jésus est dans ton cœur, si Jésus est assis sur le trône de ton cœur, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu vas vivre une vie épanouie. Parce que tes désirs seront les désirs de Jésus. Ta volonté sera la volonté de Jésus. Ton cœur sera le cœur de Jésus. Et tu marcheras en disciple accompli. Car la parole nous déclare que le disciple accompli est comme son maître. Laisse Jésus siéger. Et tu seras comme Jésus. Oui, ouvre-moi ton cœur. J'ai longtemps frappé, tu ne m'as pas ouvert. Oh.
Ouvre-moi ton cœur, afin que j'y entre pour souper avec toi. Ouvre-moi ton cœur, j'ai longtemps frappé, tu ne m'as pas ouvert. Ouvre-moi grandement ton cœur, mon frère, ma sœur, afin que j'y entre avec mon Père. Je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Que ta parole coule, qu'elle coule, coule comme un torrent. Que ta voix coule, qu'elle coule, coule comme un torrent. Que ta parole retentit et que mon cœur soit ouvert, coule comme un torrent. Point de résistance, que tout en moi dit oui, coule comme un torrent. Que mon cœur soit grandement ouvert, prêt à accueillir ta parole, coule comme un torrent. Coule, coule. Que ta parole coule, que ta voix retentit, et que nos cœurs soient grandement ouverts, attentifs à cette parole qui est vie, à cette parole qui nous fait du bien, à cette parole qui nous guérit, à cette parole qui nous restaure. Ne permets pas que nos cœurs soient fermés à cette merveille qui est ta parole. Nous te supplions, ouvre nos cœurs, afin que ta parole jaillisse et qu'elle demeure en nous. Qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles sans fin. Bien-aimé, je te souhaite de passer une excellente journée dans la présence de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.